Waouh, c'est extraordinaire. Mais nous devons nous lever aujourd'hui pour vous expliquer des choses extraordinaires qui vont vous sauver la vie. Cliquez en dessous de cette vidéo sur s'abonner, activez la cloche juste à côté et laissez un j'aime. Pour commencer, juste ne pas oublier, parce que ce que nous allons vous dire ici, ça va vraiment vous étonner. Mes frères et sœurs, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Si vous êtes chaud, sautez un peu. Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu. Parce que Seigneur, c'est bon, nous sommes toujours chauds. Mes frères et sœurs, quel que soit ce que vous êtes arrivé le matin, s'il vous plaît, souriez un peu comme ça. C'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Mes frères et sœurs, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Nous sommes dans une autre dimension. Aujourd'hui, ce dont nous allons vous parler ici va vraiment vous étonner. Nous tous, nous sommes concernés par cette histoire. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Nous allons tout vous dire ici et ça va vous étonner. Vous allez ouvrir les yeux pour dire, mais what? Ah bon? Sérieux? Ok, il n'y a pas de souci. Let's go. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés, nous sommes bien et bien ici. Bien sûr, bon. Bien sûr, bon. Nous avons plus de 7 chaînes YouTube. Vous pouvez vous abonner sur nos chaînes YouTube en cliquant sur Bien sûr, bon. Après, vous êtes abonné, bien entendu. Dès que vous cliquez sur Bien sûr, bon, vous aurez accès à la page d'accueil et vous allez voir les chaînes, les logos qui seront là. Abonnez-vous, tout simplement. C'est extraordinaire. Bien! Comme vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Regardez un homme, un bel homme, ou une belle femme, ou encore une femme attirante, ou un homme attirant, ce n'est pas sans conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi tu sors, si toi mon frère tu sors, si toi ma soeur tu sors de ta maison, et que en route là, tu vois une fille, elle t'attire, ou bien tu vois un homme, elle t'attire comme ça, puis tu la regardes comme ça, puis tu dis, ma chérie, tu es nous. Ce n'est pas sans conséquence. Ou bien si tu regardes un homme, et puis tu dis, ouh, regarde comme il est beau, quel bel homme, j'aimerais l'avoir où? Dans mon... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Dès qu'on sort et qu'on voit la fille, la première réflexion c'est ça. Ah, elle est belle, elle est jolie. J'aimerais la voir où? Dans mon lit. Ça veut dire déjà même là, tu l'as vue physiquement et déjà tu t'imagines avec la personne quelque part. Mais est-ce que la personne sera forcément le même jour là où tu veux qu'elle soit? Non! Tu l'as vu, la fille t'a plu, et tu l'as simplement regardé, tu as regardé mais ses fesses, si c'est un homme, ou bien tu as regardé ses seins, elle-même là, elle te plaît, tu as regardé l'homme, tu as vu qu'il a bien battu, tu as vu qu'il a une belle forme, il est grand de taille, il a tout ça, ça t'a plu, tu as même dit, oh est-ce que j'aime la voir sur mon lit, mais le problème ici là, c'est que tu ne peux pas la voir immédiatement sur ton lit. Ça peut arriver que si tu es trop fort ou tu es trop dangereux, ça se manifeste ainsi. Mais en général, là, dès qu'on voit l'homme ou encore une personne vers qui on est attiré, on ne peut pas avoir la personne immédiatement sur son lit. Si on l'a sur notre lit, là même c'est grave. Parce que dès que tu vois une personne, en même temps la personne se trouve sur ton lit, comment toi tu fais pour toi là? C'est pas bon, c'est pas comme ça on fait. Mais quand tu... C'est-à-dire, quand tu as vu la fille, tu as vu elle est attirante, tu as vu l'homme il est attirant et toi, tu es allé chez toi. Ne pense pas que ce que tu viens de voir tout de suite, la personne que tu viens de voir s'est attirée ou bien la fille que tu viens de voir s'est attirée là. Ne pense pas que tu l'as vu s'est attirée, tu as dit toutes ces choses, ce que tu viens de dire là c'est fini, tu as dit ça c'est comme ça, c'est fini. Non, ça ne s'arrête pas là. C'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui sont dans le monde des ténèbres qui nous observent. Qui nous observe dans nos gestes, dans nos faits, dans toutes nos actions. Dans toutes nos actions. Pourquoi? C'est pour nous visiter la nuit après, puisqu'ils cherchent des portes ouvertes. Quand tu as vu la fille physiquement, et tu l'as simplement vue, et puis tu as dit, ouh, elle est belle, j'aimerais la voir sur mon lit, ou bien cet homme, il est beau, j'aimerais la voir sur mon lit, automatiquement, sans le savoir, spirituellement parlant, tu viens de donner l'accès au diable d'entrer où? Dans ta vie, ou encore te visiter dans ton sommeil. C'est là que les choses sérieuses commencent. Soyez prêts. Soyez prêts.
Ouvrez bien les oreilles, oh. Ouvrez bien, oh. C'est ouvert déjà. Ah bon? Non, non, non. Ouvrez bien, oh. Est-ce que c'est ouvert déjà? Non, c'est pas encore bien ouvert. Ouvrez bien les yeux aussi. Est-ce que c'est déjà ouvert? On peut fermer les yeux, mais les oreilles, ça peut toujours s'ouvrir. Ça veut dire que vous pouvez entendre ce que nous sommes en train de dire, même si vos yeux sont fermés. Ah! Dès que tu as dit, physiquement, hein, cette fille me plaît, les démons ont entendu ça. Eux, ils ont vu la scène même. Tu ne sais même pas si ce sont les démons même ou encore c'est le diable qui a provoqué cette rencontre ou même cette histoire qui a fait cette mise en scène. Parce qu'il peut faire ça. Je vous l'ai dit, le diable fait ça. Nuit et jour, moi, je vois ça. Mais le problème là, c'est ta réaction. Eux, ils t'observent seulement pour voir ta réaction. Si tu réagis de la sorte, eux ils vont dire, oh Dieu merci, il est tombé dans notre piège. Le simple fait même que tu as regardé la fille là, et tu as dit, elle me plaît, franchement j'aimerais la voir quelque part, tu es dans le problème déjà. Le simple fait que tu as vu l'homme, ça veut dire qu'il est beau, il est grand de taille, il est comme ça, il est bien bâti, il a des beaux cheveux, même il a la boule à zéro, ça te plaît, tu es dans le problème. Parce que tu as simplement réagi et tu as réagi selon que le diable aimerait que tu réagisses. Maintenant que tu vas aller dormir, tout ce que tu viens de voir physiquement, là, ça va te suivre. Où? Dans ton sommeil. Tu peux voir une personne, hein, différente même de la personne que tu as vue physiquement dans cette histoire. Mais tu vas t'en rendre compte que la même expérience que tu viens d'avoir, où tu as vu une fille et puis ça t'a plu, ou bien tu as vu un homme, ça t'a plu, tu voulais avoir même aller même juste sur le lit avec la personne. Cette même scène va se produire dans ton sommeil. Et quand tu seras en ce moment-là même, dans ton sommeil-là, quand tu seras en ce moment-là, dans ton sommeil-là, ce que tu as dit physiquement-là, c'est ce que ton esprit ou encore ton âme va dire encore spirituellement. Parce que la même scène va se présenter et toi, tu seras face à qui? Cette personne. Ou une autre personne, mais tu seras face à la même situation dans ton sommeil. Et c'est là, c'est dangereux. Parce que les personnes qu'on voit la nuit dans notre sommeil peuvent être, qu'on appelle souvent les maris de nuit, ou encore les femmes de nuit, ces gens qu'on voit là, ça peut être des sorciers, hein, qui se déguisent en telle personne qui vient vous visiter. Mais en général, ce sont les démons qui font ça. Parce qu'un sorcier ne travaille pas sans un démon. Mais frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime, ce n'est pas de la rigolade, ce sont des choses réelles. Eux, le diable travaille comme ça. Oui. Tu vas voir que dans le songe, tu vas voir la fille. Et dès que tu vas voir la fille, elle sera encore attirante, elle va t'attirer. Et tu as dit, moi, tu es très belle. J'aimerais. Tu n'es même pas obligé de dire, mais j'aimerais. Tu n'es même pas obligé de la toucher dans ton songe. Dès que tu dis ça seulement, automatiquement, ne sois pas étonné, hein, si ton pantalon est mouillé après. Oui. Parce qu'il suffit seulement de confesser de ta bouche. Il suffit seulement d'ouvrir de ta bouche pour dire, tu aimes. Et le démon, automatiquement, il t'a déjà eu. C'est facile. C'est dangereux. Ça là, personne ne va venir vous dire, vous expliquer les choses comme ça plus facilement. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous expliquer. Même chez les femmes, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, dans l'endroit où il a été, où Dieu lui-même il a pris la parole pour parler de ça là, c'est au travers de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si tu as regardé une femme et tu l'as désiré déjà là, c'est comme si tu avais déjà couché avec elle. Et c'est la vérité. Je vous parle de quelque chose, c'est pas de la blague, ce n'est pas on dit. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. Un jour, physiquement, j'ai vu une belle fille. Elle était plus belle que belle. Elle était tellement belle que moi-même, là. Je l'ai regardé et j'ai dit, Jésus, toi aussi, tu es fort. Comment se fait-il que tu fabriques de telles personnes comme ça dans notre monde? Mais comment tu m'as fabriqué aussi? C'est ce que je me disais.
Elle était tellement belle. Je regarde ma caméra, je la regarde. Je regarde ma caméra, je la regarde. Est-ce qu'on ne peut pas la filmer un peu pour voir un peu les choses? Mais ma jolie, tu viens de te coin. Mais comme j'étais occupé aussi, je ne pouvais pas laisser mon travail pour aller la regarder. Donc, j'ai tenté de la regarder. Je vous regarde. Je la regarde. Je vous regarde. Je dis, mes frères et sœurs. Quand j'ai fait cela, à un moment donné, elle-même là, elle marchait. Je vous dis, tenez-vous bien. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, non? Elle a regardé à l'arrière et elle a touché la partie que j'étais en train de regarder sur son corps. Je vous dis pas. La partie que j'étais en train de convoiter là, que j'aime sur une femme, que j'ai regardée là, c'est cette partie qu'elle a touchée et elle est venue vers moi comme ça. Elle est montée dans sa voiture et elle est venue vers moi. Elle a tourné sa voiture vers moi. Comme si elle voulait créer un accident. Elle m'a regardé droit dans les yeux comme ça et elle m'a fait un yeux d'amour. J'ai vu ça, il dit. Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction? Comment pouvez-vous expliquer ce qui vient de se passer? Ça, c'est pas le témoignage de quelqu'un. C'est pas le témoignage d'un voisin. C'est moi-même mon expérience personnelle. C'est ce produit quand? Le mystère. 18, c'était quand? J'étais un goût dessus le mystère 18, la vidéo précédente. Vous allez voir la date et c'était ce jour-là. Ce jour-là, c'était le mystère 18 j'étais en train de faire ce jour-là. Et c'est ce produit. Mais il fallait que je vous raconte cette histoire pour vous dire que vraiment, sur la terre, les démons travaillent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Dans cette situation, vous pouvez comprendre, nous devons comprendre tout simplement que pendant que j'étais en train de l'observer là, il y avait des démons du monde des ténèbres aussi qui observaient tout ce que j'étais en train de faire. Et comme ce sont des esprits, ils peuvent voir tout ce qui se passe en esprit, autrement dit, dans nos pensées. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, puisque cette fille-là est une personne susceptible d'être possédée, ou encore d'être aussi visitée par un esprit impur, ou encore un démon, ce démon-là lui a communiqué directement l'information pour lui dire qu'il y a quelqu'un derrière qui t'observe. Et il observe telle partie de ton corps. Voici comment tu dois te comporter pour pouvoir faire quoi? Le séduire. Ça veut dire que cette personne, cette fille-là, elle n'est pas loin d'être un agent de Satan. Ça, je vous le dis. Même une sorcière. Oui. 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 Ça veut dire que le même démon m'observe, il cherche des points faibles chez moi pour pouvoir me faire chuter, pour me faire dévier de la voie de Dieu. Donc, ils ont vu une porte qui est ouverte. Et eux, ils ont tenté d'utiliser cette faille, cette faiblesse pour pouvoir faire quoi? M'avoir. Par quoi? Cette situation, cette porte que moi-même, je venais d'ouvrir. Et quand j'ai vu ça, mon Dieu, il a failli avoir un accident. Hein? Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a fait des yeux d'amour. Elle est d'une beauté extrême. Mes frères et soeurs, je vous parle de quelque chose. Mais je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai regardé la scène et j'ai dit, je me suis ressaisi comme ça. J'ai nettoyé mes yeux comme ça et puis j'ai dit, oh mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Hein? Donc c'était une sorcière. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ce n'est pas une histoire qui arrive aux célibataires. Faut me dire que ce sont les gens qui sont célibataires à qui ça arrive. Jamais. Même vous-même qui êtes marié, ça peut vous arriver aussi. La femme comme l'homme. Et la nuit, quand je suis allé m'endormir, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé? La nuit, quand je suis allé m'endormir, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu une autre fille. Cette fois, ce n'est pas la même fille. C'était une autre fille. Une fille de sa catégorie. Mais ce n'était pas la même. Cette fois, elle avait plus que les caractéristiques que je cherchais sur une femme. Ou encore que j'ai vu sur cette fille et puis ça m'a attiré. Quand
Je l'ai vue en songe là. Il dit, elle est venue directement vers moi. Là, mes forces avaient totalement diminué. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas là dans ma vie là, c'était pas bon. Mes frères et sœurs, elle s'est approchée de moi comme ça. Là où elle-même, elle s'apprêtait même à faire quelque chose de bizarre à mon niveau, c'est en ce moment-là que, bizarrement, j'ai eu cette force-là en songe qui m'a permis de résister. Maintenant, si c'était physiquement, pour vous, chez vous, où vous êtes, cette situation vous est arrivée. Et puis, Dieu merci, hein, cette situation physique qui s'est arrivée physiquement là, c'était dehors, hein, imaginez, si c'était dans une maison, dans une chambre, et puis on était deux, qu'est-ce qui allait se passer? Là, qu'est-ce qui allait se passer? Si Dieu Dieu n'avait pas donné cette force-là à Joseph de courir comme ça, comme un fou pour sortir la maison, pour fuir la femme de Potiphar, il y aurait quelque chose. Garçon et puis femme dans une maison, ça donne ce que vous savez. Tu ne peux pas résister, tu n'es pas fort, tu n'es pas suffisamment fort pour résister à cette fille-là ou encore à cet homme-là. Même ton ex, ne vous retrouvez pas dans cet endroit-là, tout seul comme ça, dans une chambre. Évitez ça. Même à l'église, tes filles sont là. Ou les chrétiens qui sont dans la même chorale. Et les deux sont déjantés. Devant tout le monde. Jésus, tu es Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Quand ils finissent de faire Jésus-Christ, tu es mon Dieu, là. La fille là, qui est dans la chorale, là. Elle est là aussi. Elle regarde le maître de cœur. Elle dit, oui, tu es bon, mon Dieu. Seigneur Jésus. Et les deux se regardent. Vis-à-vis, les deux se regardent comme ça. Dans les yeux et ça s'est fait des signes. Le maître de cœur fait comme ça. Jésus, tu es bon. Ça veut dire quoi? La nuit à 18h, viens à la maison. Je vais t'enseigner la parole de Dieu. Et bien, elle s'est dit, oui, tu es bon, mon Dieu. À l'église. Mais l'homme de Dieu est là-bas. Puis, elle s'est dit, mais c'est quelle chanson les gens sont de chanter dans l'église là? Je sais pas, mais une onction particulière qui me traverse. L'onction qui est en train de te traverser, toi, homme de Dieu, c'est pas l'onction de Dieu. C'est l'onction des gens qui se préparent à aller se chercher la nuit. Sur ton dos. Si tu n'es pas informé, c'est ce qui se passe dans la chorale, à l'église, les filles qui chantent, le maître de cœur. Comment vous vous appelez même? Vous vous donnez des titres même. La chante. Cette chante professionnelle, cette femme de force, cette femme d'impact là, c'est ce qu'elle fait. Parce que le point faible des humains, c'est ça, le sexe. Et face à cette situation, il faut éviter de chez éviter le contact des yeux, le regard. Même si tu es avec un homme, même s'il est vilain, il n'est pas beau, même si elle n'est pas belle, ou le seul fait que vous soyez toujours ensemble, ça risque de créer quoi? Des étincelles. Et ça risque d'être dangereux pour vous. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informé. Même dans le monde, ça arrive où un homme cherche la femme à son copain, à son ami plutôt. Ça, il cherche la copine. Pourquoi? Il cherche la copine. Il vous fait même les choses dans la douche là-bas. Lui, il est là, il ne sait même pas. Ce sont les deux qui sont au courant, c'est leur travail. C'est parce que ce contact-là, c'est dangereux. Il faut éviter, même si tu es la femme de ton ami, t'aimes beaucoup, aime te recevoir bien chez lui. Mes frères et soeurs, mon frère, si ton ami n'est pas là, là, faut pas essayer d'aller là-bas tout seul, comme ça, physiquement. Il faut éviter. Il faut tout mettre en œuvre. Mettons, même ma soeur, mettons tout en œuvre pour éviter des situations où on se retrouve à deux. Parce qu'aujourd'hui, là, l'instrument que le diable utilise pour détruire les humains, c'est quoi? Le sexe. C'est à cause de ça que nous faisons cette vidéo pour vous dire que c'est ça. Le diable utilise aujourd'hui le sexe pour détruire les humains. S'il vous cherche dans tous les sens, qu'il ne peut pas vous avoir, il va tout faire pour passer par là.
il va créer une situation où vous allez voir un bel homme ou une belle femme, vous serez attiré parce qu'il ne va pas prendre n'importe quelle fille pour venir présenter aussi devant vous. Il va prendre une belle fille, un bel homme, avec tous les éléments qui vous intéressent, tous les ingrédients. Je ne parle pas du parfum. Hein. Peut-être que vous avez senti l'odeur de son parfum, vous avez dit que c'est le parfum qui vous a attiré. Non. Il va faire en sorte que quand vous-même vous allez voir la fille, vous allez faire sortir de votre bouche ça. Ah, elle est très belle, hein. J'aimerais la voir sur mon lit. En ce moment-là, quand vous avez fini de vous dire ça, c'est fini. Même quand vous l'avez vu, et puis vous n'avez même pas ouvert la bouche, mais vous dites dans votre cœur, vous avez dit ça. C'est comme si il vous a déjà eu. Voici le problème aujourd'hui. Voici la situation grave aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la frime. C'est une situation grave. Et ça, là, vous-même, là, je suis sûr que vous pouvez en témoigner. Si j'ai pris mon exemple, c'est parce que c'est réel. Pour bien expliquer cette histoire-là, je ne peux pas prendre le témoignage de quelqu'un. Voilà. On traite des vidéos où on parle des témoins des gens, des témoins de beaucoup de personnes, mais des satanistes. Après cette vidéo, il y aura un témoignage puissant où un sataniste va venir. Nous allons même réagir face à ce témoignage. Mais, afin de femmes, afin de garçons, être attirés, nous tous, nous sommes attirés forcément par quelqu'un. Et le danger est ici. Tu vas voir l'homme, toute la nuit, toutes les nuits, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il est visité par une femme la nuit. Et quand ça finit, il est mouillé. La femme aussi, lundi, le mardi, il fait exprès, mais il la laisse. Elle a qu'à mettre bien des rouges et j'enlève. Là, elle vient la visiter le mercredi. En songe! Toujours, c'est toi qui vois les gens dans ton sommeil. Et quand tu as des rapports avec. Et rapport sexuel avec cette personne dans ton songe, physiquement, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas de la blague. Ça veut dire que là même, là, ça dépasse le niveau du niveau, ça va maintenant plus loin que loin. Là, c'est le diable même qui est en train de visiter. Souvent, même le diable même fait comme ça. Un jour, voici un témoignage de quelqu'un. Il y a un de mes amis qui m'a expliqué cette histoire. Il m'a dit qu'un jour, un homme, un de ses collègues, parce que lui, il était caroleur, un de ses collègues caroleurs, il dit que son collègue, il a l'argent. Il a tout. Il travaille dur. Mais le problème, c'est que quand tu le vois marcher dans la rue, tu as l'impression qu'il n'a pas d'argent, il est en difficulté ou bien il est en danger. Tu as l'impression que il est dans les problèmes. Et toujours qu'il marche, souvent, il parle seul. Un jour, quand il est arrivé à l'église, il a expliqué son problème à son homme de Dieu. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit va vous étonner. Ce qu'il a dit va vous étonner, mes frères et sœurs. Si vous êtes touchés, mes frères et sœurs, laissez un j'aime encore. Bon, on ne peut pas laisser deux j'aime, mais dites waouh dans la partie commentaire. Mais je suis étonné. Il dit qu'il avait l'habitude de faire des songes où il voyait une femme la nuit. C'était une femme, il la voyait toujours au bord de l'eau, c'est-à-dire sur la plage. Bizarrement, il était attiré par elle parce qu'elle brillait trop, elle était trop belle. Il n'a jamais vu une femme comme ça. Il avait même des rapports sexuels avec cette femme à la nuit. Et c'était comme ça tous les jours. Il a vécu cette expérience pendant longtemps. Et un jour, il a dit à cette femme-là la nuit, dans son sommeil, « Mais de la manière tu es belle là, est-ce que tu ne peux pas venir physiquement, je vais te voir. Là, ça va aller plus loin. » Quand il a dit ça, qu'une semaine après, 7 jours après, il venait du travail. Et quand il est entré dans sa chambre, il a vu quelqu'un assis sur son lit. Il voyait la personne de dos. Vous savez c'était qui? Est-ce que vous savez c'était qui? Est-ce que vous savez c'était qui? C'était la femme qui le visitait toujours dans son sommeil avec qui il avait des rapports sexuels. C'était elle. Cette femme qui voyait toujours au bord de l'eau, là, sur la plage. Là. C'était elle qui avait maintenant répondu à quoi? À son appel.
Pelle. Pourquoi? Parce que la nuit, quand il a parlé ainsi là, sans le savoir, il a fait une invocation. Il a invoqué la femme là par la parole comme ça, sans s'en rendre compte. Et elle est venue le visiter la nuit. Je vous ai dit, quand il a vu la fille là, il était étonné, il a crié, wow, tif. Mais elle lui a dit, ne crie pas, n'aie pas peur. Je ne suis pas venu ici pour te faire du mal. Comment vas-tu? Mes frères et soeurs. Elle dit, chérie, tu sais que est-ce que tu sais que je t'aime? Physiquement! Tu crois? Elle dit, chérie, est-ce que tu sais que je t'aime? C'est parce que je t'aime que je suis venu physiquement te voir. Mais lui, il ne sait pas que c'est un démon. Il ne connaît pas Jésus. Il ne peut pas dire, Seigneur Jésus, que oh, c'est cool. Déjà, spirituellement parlant, il a déjà accepté. Au point où il a demandé à la voir physiquement. Vous voulez que ça se passe comment? Ça veut dire que le fait qu'il ait posé cette action, c'est comme si, spirituellement parlant, c'était allié à elle. L'alliance s'est créée. Donc, pour elle, elle se doit, c'est-à-dire, elle est obligée de. Elle peut maintenant venir sur la terre parce que la porte est grandement ouverte. Là, la porte n'est plus ouverte, mais elle est grandement ouverte. Vous savez de quoi il s'agit? Tu as ouvert les deux portes là comme ça. Elle est entrée chez lui. Et ce jour-là, Dieu merci. Non, moi, il ne m'a pas dit Dieu merci. Il n'a pas eu peur. Voilà. Il n'a pas eu peur. Il s'est approché d'elle. Quand il a touché, il s'est rendu compte que sa peau n'était pas comme la nôtre. En fait, elle a pratiquement pas d'os. Elle n'a pas d'os. Elle n'a pas d'os. Comment tu peux. Un homme n'a pas. Une femme n'a pas d'os. Comment tu fais? C'était que la chair, elle n'a pas d'os. Elle est très belle. Physiquement, ce jour-là, il a eu des rapports sexuels avec elle. Bizarrement, quand elle est partie, il a senti quoi? L'odeur de poisson. L'odeur de poisson dans la chambre. Ah! Pourquoi l'odeur de poisson? Selon vous, pourquoi? C'est si je vais voir si vous vraiment vous êtes intelligent. Je vais voir qui sont ceux qui sont vraiment forts ici. Si vous avez bien compris, réagissez dans la partie commentaire, dites-moi pourquoi on dit l'odeur de poisson. Pourquoi? J'aimerais bien savoir. J'aimerais vraiment voir qui sont les vrais abonnés. Non, 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 tout le monde est vrai abonné ici. Mais qui sont ceux qui sont vraiment intelligents, qui ont l'esprit de Dieu? Pourquoi cette femme avait l'odeur de poisson? Si vous avez bien suivi, vous allez me dire. C'est si la sagesse. Mes frères et sœurs, quand elle est partie, elle a tellement laissé l'odeur de poisson dans la maison que lui, il était obligé de faire quoi? De mettre du parfum. Pif, 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 pif. Dans la maison. De sorte qu'on ne puisse plus sentir cette odeur. Et c'était devenu une habitude. Dès qu'il arrive chez lui et qu'il sent l'odeur de poisson, il sait que la fille est là. Automatiquement, rapport sexuel. Rapport sexuel. Au moins, à un moment donné, il était maintenant fatigué, épuisé. Il ne pouvait pas vivre comme ça. Et physiquement, cela impactait sa vie. Cela dérangeait sa vie. Au point où il était obligé de chercher maintenant une solution. Et la solution qu'il pouvait trouver, c'est d'aller où? Chez un homme de Dieu, pour lui expliquer cette situation. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui combattent les vrais hommes de Dieu. Mais les vrais hommes de Dieu peuvent nous aider dans de telles situations. Mais vous aussi, avant de rencontrer telle situation, acceptez Dieu dans votre vie. Ça va vous garder du danger, vous préserver du danger. Ça va vous préserver du danger. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, avant qu'il soit délivré et séparé de cette femme, c'était un combat sérieux. Parce que dans ce combat-là, cette fois, l'homme de Dieu va venir prier pour lui. Va venir prier pour que ce démon parte. Mais lui aussi doit aussi poser des actions. Parce que c'est lui qui l'a invoqué. Il doit dire dans sa bouche. Il doit confesser de sa propre bouche qu'il déteste cette femme. Qu'il ne veut plus, il n'aime plus. Tant qu'il n'a pas dit ça ouvertement à cette femme. Spirituellement parlant, c'est-à-dire pendant qu'il dort, quand il la voit la nuit, dans son sommeil, et physiquement parlant, quand elle va venir, tant qu'il n'a pas fait ça et posé des actions qui démontrent qu'il n'aime plus,
Elle ne va jamais partir. Elle ne va jamais le laisser. C'est-à-dire, ce démon-là sera là. Vous priez, vous pouvez prier, c'est bien. Prier, c'est bien, c'est bon. Le démon va partir. Mais vous devez poser des actions pour qu'il ne revienne plus. Pour qu'il ne revienne plus. Chaque jour, vous devez lutter avec. Parce que le diable est déjà informé que c'est une porte ouverte par laquelle il peut passer pour vous combattre. C'est le moment de vous réveiller. De vous réveiller. Si vous avez une telle situation, cherchez premièrement vous-même. Ayez une relation personnelle avec Dieu. Sortez de votre chambre. Si c'est dans votre chambre et vous visitez beaucoup, sortez de la chambre. Allez quelque part et commencez à prier. Dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-moi. Donne-moi la force. Pourquoi vous dites sortez de votre chambre? C'est parce que quand il vient dans la chambre, forcément, une femme et un garçon, il y aura forcément quelque chose. Donc il faut sortir de ce lieu pour se positionner dans un autre endroit, d'ailleurs, où tout le monde passe. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels devant les gens. C'est impossible. Alors voilà, il faut être stratégique, il faut être technique. C'est pourquoi Joseph, il a fui. Vous pensez que c'est de la blague ou quoi? Ou bien vous pensez que c'est un hasard? Mes frères et sœurs, Dieu nous donne de vraies révélations aujourd'hui. Parce que si vous mourrez dans ça, si vous mourrez dans cette situation, vous avez une telle femme qui vient vous visiter la nuit, cette femme va vous emporter directement dans son monde. Ou à l'enfer. Et le diable va bénéficier sur vous. Quel est votre choix maintenant? Vous devez retenir une chose. Regarder une femme ou regarder un homme attirant, ce n'est pas sans conséquence. Ah! Aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a un danger à regarder aussi des clips, les clips où on voit des films nus, ou à regarder des films où les gens s'embrassent en désordre, où les gens font des trucs même devant vous, vous êtes à vous regarder, même les feuilletons, vous êtes à vous regarder, vous êtes attiré. Ça veut dire aussi que quand vous regardez sur Internet, qu'il y a des miniatures, genre les miniatures, où on voit, on voit les filles presque nues, faites attention, ne cliquez pas dessus. Parce que si vous cliquez aussi, là, vous savez ce que ça signifie? Cliquez sur une vidéo où on voit pratiquement une femme qui est presque nue, et vous êtes attiré par sa forme parce que vous voulez vous découvrir plus ça. Cliquez là-dessus comme ça, comme vous le faites là. Ça signifie acceptation. Oui, c'est comme si vous venez d'accepter, d'ouvrir une porte par laquelle eux peuvent passer. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire, nous avons fait l'expérience. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Et quand on parle d'être attiré par un homme et une femme, tout le monde a son mot à dire. Je vais voir plein de commentaires dessus ces vidéos pour nous aider à comprendre au mieux ce sujet-là. Mes frères et sœurs, réagissez. On vous attend. Si vous êtes touché, laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche, ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Nous avons 7 chaînes au total. Que le Seigneur soit bon et vous allez avoir accès à la page d'accueil. On vous l'a dit, abonnez-vous sur tous les logos. Et là-bas, sur toutes les chaînes, en général même, on parle souvent de ce genre de choses. Et ça va vous étonner. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est une histoire réelle et Dieu veut nous aider aujourd'hui. Mais vous-même, aidez-vous d'abord en posant des bonnes actions qui vont vous aider. Priez, c'est bien. Le démon peut fuir quand vous priez, mais vous devez poser des actions. Quand vous êtes face à une femme dans la chambre, fuyez la chambre, s'il vous plaît. Fuyez, parce que face à une femme, cette situation-là, vous-même, vous pouvez m'expliquer au mieux. Regardez la partie commentaires. Moi, j'aimerais vous lire vos commentaires et voir. Si vous voyez que j'ai liké vos commentaires ou j'ai commenté, c'est que vous avez dit quelque chose de bon. Vous avez dit un commentaire qui va nous aider à évoluer. Réagissez de la sorte et tu vas nous aider aujourd'hui. L'heure n'est plus à la rigolade ou au jeu. Le diable a travaillé sérieusement dans le domaine du sexe. C'est pas étonnant que le diable poste des vidéos où on voit des personnes nues. Faites attention aujourd'hui. Tu veux nous aider aujourd'hui. Que tu vous gardes des fois et que vous bénisse. Waouh, c'est extraordinaire. Let's go.